Eh, vous voyez ces lunettes là les Beau Ultimate Et eh ben je peux vous dire qu'elles sont juste parfaites là pour rouler, pour faire du vélo de jour comme de nuit. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Les liens sont en description. J'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Mais non, je déconne. Bien sûr, je vais vous en parler un petit peu plus. En plus, la météo là, elle est juste parfaite pour rester dehors. Donc juste le temps de trouver un petit coin sympa pour me garer et on y va. Hop là. Bon, alors Beau, marque française basée dans le Jura dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne là, au travers du test des yves Rappelez-vous, ce sont les lunettes de sport connectées, conçues en partenariat avec la société Active Look. Depuis, je vous ai aussi reparlé des Engo, enfin bon, je vous remets déjà la vidéo des yves Douane dans le coin de l'écran si vous ne l'avez pas vue. Et c'est vrai que je n'avais pas été hyper convaincu, hein, surtout par la partie logicielle, pas tant par la partie lunettes de soleil. Et la vidéo n'avait pas forcément trop trop plu à Jules Beau, hein, ce que je peux comprendre. Mais bon voilà, on en avait discuté. ça n'empêche que j'avais dit j'étais euh, intéressé de tester leurs lunettes un peu plus classiques parce que je pense que c'est du très bon matos et là ils m'ont donné l'occasion d'essayer ces Ultimate. Alors ces Julbo Ultimate, elles existent en plusieurs versions. On a tout d'abord, on va dire, les lunettes standard avec des verres qu'ils appellent Spectron 3, donc des verres solaires de catégorie 3. Là, on les trouve à 115 euros. Et ensuite, on a comme ici la version photochromique avec les verres réactifs donc qui peuvent couvrir les catégories 1 à 3 ou 0 à 3. Et là, on est déjà à 190 euros. Alors, dans les deux cas, on trouvera différents coloris de monture et différentes teintes de verre, il y a différentes combinaisons, mais pour tout ça, bah, je vous laisse aller voir euh, les liens en description, hein, ça sera plus simple. Ensuite, dans les deux cas, les lunettes sont fournies avec un étui semi-rigide, et là, c'est vrai que moi, j'aurais préféré quand même un étui... Complètement rigide pour vraiment protéger les lunettes au maximum. Quand on ne s'en sert pas, mais la marque m'a expliqué qu'en fait, suite à la discussion avec leurs athlètes, ces derniers préféraient cet étui semi-rigide, qui soit dit en passant est très bien fait et protège bien les lunettes. Et donc ils préféraient ce semi-rigide pour que, bah, quand ils le rangent dans le sac, quand les lunettes ne sont pas dedans, ils prennent moins de place. Et c'est vrai que cet argument, bah, en fait, il n'est pas bête. Et pour ce côté-là, ça fonctionne bien. Et comme je l'ai dit, bah, l'étui est quand même bien foutu. Et bon, à moins de vraiment le ranger comme un bourrin au fond du sac avec des trucs lourds dessus, il protège suffisamment, il y a quand même peu de chances d'abîmer les lunettes. Et en complément, et bah dedans, on va trouver un petit étui souple, vous savez, bah pour protéger un petit peu plus et aussi pour permettre d'essuyer les verres. Alors ces Julbo Ultimate, elles sont légères, elles sont annoncées à 27 grammes et on a bah, le bout des branches ainsi que les plaquettes de nez qui sont réglables pour s'adapter vraiment à notre visage pour que ce soit confortable et en plus d'être réglables, qui sont dans une espèce de gomme un petit peu adhérente pour maximiser la tenue sur la tête. On a aussi, petit truc pratique, au bout de chaque branche, un petit trou, ce qui permet d'accrocher facilement un cordon. Au niveau des verres, Première chose, c'est qu'ils ne sont pas interchangeables. Donc euh, quand vous achetez votre paire de lunettes, si vous prenez des verres Spectron 3, eh bien ça restera des verres Spectron 3. Si vous prenez des verres réactifs, ça restera des verres réactifs. L'autre truc, c'est que si on regarde en haut, on voit que les verres ne touchent pas. Le haut de la monture. En fait, ils sont ventilés hein, ici, mais c'est fait d'une manière, je trouve, discrète, vraiment bien intégrée. C'est très très sympa. Et je vous le dis de suite, ça fonctionne très très bien pour éviter la formation de muet. Je me coupe la parole deux petites secondes, juste pour vous dire que si jusque-là, cette vidéo vous plaît, et eh ben bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Maintenant, à l'usage, et eh ben bah, je peux vous dire déjà qu'elles sont très confortables à porter. Et une fois que vous les avez sur la tête, et eh bah elles tiennent bien hein, pendant une activité. Donc moi, là, je les ai utilisées principalement à vélo, mais je pense que si je voulais courir, ça serait pareil. Et puis bah là, si je coup, la tête, il n'y a pas de problème, ça bouge pas de ce côté-là, c'est impeccable. Je vais enchaîner sur un truc parfois qui me gêne un petit peu, mais qui n'est pas vraiment gênant. qui est... Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est au niveau de la couleur de la monture. Donc là, c'est une version orange et noir qui est très jolie. Hein, au point de vue design et tout, il n'y a pas de souci. J'aime bien ce coloris, même si je préfère du tout noir. Là où ça peut me gêner un petit peu, c'est au niveau du pont de nez. Donc là, qui est orange fluo. Alors, il n'est pas gênant hein, dans le champ de vision. Vous ne le voyez pas quand vous avez les lunettes sur les yeux il y a juste que cette teinte orange fluo, et c'est un truc que j'ai remarqué aussi avec une autre paire de lunettes d'une autre marque qui était aussi orange fluo, et bah ben ça me fait un reflet dans le coin de l'œil droit, qui est mon œil directeur. Alors ça fait une sorte de, de petite image fantôme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème, vous me direz ça dans les commentaires. Et ça ne me le fait qu'avec des lunettes un petit peu fluo, comme ça avec des couleurs vives. Donc sur celle-ci, je l'avais remarqué au premier essayage chez moi, après l'usage en extérieur, je l'ai complètement oublié. Il y a une seule fois où je l'ai remarqué, c'était euh, je crois au coucher de soleil ou vraiment en fin de journée avec une source lumineuse qui arrivait en face où ça me faisait ce léger reflet qui peut être un petit peu gênant. J'aurais sans doute pas ce problème avec euh, des lunettes complètement noires. Enfin voilà, il y a peut-être qu'à moi que ça fait ça, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si avec des lunettes avec des montures fluo, vous avez déjà eu ce problème ou pas. Toujours au niveau de la monture un autre petit problème que je peux rencontrer c'est ici vous voyez j'ai le haut de la monture qui vient toucher mes gros sourcils alors ça c'est pas forcément la faute des lunettes hein, c'est peut-être une histoire de morphologie hein, au niveau de mon visage enfin tout ça seul truc c'est que je me dis que parfois ça peut peut-être favoriser le fait que j'ai de la sueur qui tombe à l'intérieur des verres ça aussi c'est un problème que vous avez hein, c'est pas spécialement dû aux lunettes je l'ai avec plein d'autres paires et c'est un problème qui est, qui est chiant parce que bah voilà déjà quand il y a de la sueur qui tombe à l'intérieur bah on voit plus grand chose en plus ça devient gras pour nettoyer les verres c'est l'horreur si ça vient dans les yeux ça pique les yeux enfin voilà je pense que vous connaissez je sais que vous êtes nombreux euh, à vouloir dire tout de suite là en commentaire t'as qu'à mettre un bandeau ou un truc ça limite le problème oui et non enfin bon voilà je sais pas si vous vous avez peut-être cette paire de lunettes ou une autre qui ressemble hein, aussi où ça touche que vous avez ce même problème si vous avez des paires de lunettes où du coup c'est un peu plus écarté et que vous avez moins ce problème enfin voilà ça on peut aussi en discuter dans les commentaires je trouve que c'est intéressant pour ce qui est des verres et eh bah première chose c'est déjà qu'ils sont bien couvrants et ça c'est top hein, pour rouler bah, soit avec du vent dans la tronche soit quand il fait froid ça protège bien c'est très cool et il y a une autre chose que j'apprécie c'est que la monture bah il n'y en a pas en dessous des verres ça fait que quand on veut regarder en arrière il n'y a rien qui gêne le champ de vision et ça c'est vraiment cool alors au niveau de la vision justement et bah franchement de jour comme de nuit moi je l'ai trouvé très très bonne je vous rappelle que ce sont des verres photochromiques hein, qui couvrent les catégories 0 à 3 donc en gros ils vont se teinter plus ou moins en fonction de la luminosité et en plus de ça julbo indique qu'ils ne sont pas sensibles à la température en gros il peut faire froid, ça ne va pas changer la durée qu'ils vont mettre à passer plus foncé ou plus clair. D'ailleurs, cette durée, bah, moi, j'ai pas effectué de chronométrage, j'ai pas mesuré le temps qu'il fallait pour passer de clair à foncé ou de foncé à clair. En général, ça va plus vite à se foncer qu'à s'éclaircir. Mais j'ai envie de dire que, au-delà de faire des mesures et tout, bah, ce qui compte vraiment, c'est à l'usage. Et à l'usage, bah ces lunettes, je les ai utilisées avec une météo comme aujourd'hui très ensoleillée. Je les ai utilisées de nuit, je les ai utilisées sous la pluie, je les ai utilisées bah en partant de jour et en rentrant de nuit. Et je n'ai jamais été emmerdé. J'ai toujours vu clair, j'ai jamais ressenti le besoin en fait de devoir les enlever pour voir mieux, donc surtout la nuit. Franchement, ça a toujours été très très bien. Elles sont réactives au niveau du changement de teinte, en tout cas suffisamment pour une utilisation comme ça à vélo, au moins sur route et tout. Peut-être que si on est dans les bois et que quelquefois on passe vraiment du soleil à l'ombre, ça pourra mettre un tout petit peu trop de temps pour se rééclaircir juste comme il faut. Mais je pense pas que ce soit gênant. Honnêtement, j'en suis très content. Bon, alors je vous rappelle quand même que cette version photochromique des Jules Ultimate coûte 190 euros. Ce qui n'est pas rien. C'est vrai que c'est pas donné. Mais bon. Voilà c'est quand même une paire de lunettes un petit peu à tout faire, hein. vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les conditions de jour comme de nuit et clairement bah, c'est pas inintéressant surtout bah, si vous faites de l'ultra distance même si vous voulez partir en voyage à vélo, ça évite de se trimballer deux paires de lunettes ou ne serait-ce que deux paires de verres donc forcément ça divise les dépenses par deux quelque part même si peut-être que la paire de lunettes de base sera plus chère donc je pense que c'est un bon choix. En plus, elles ont l'air durables. Moi, je les ai déjà nettoyées un paquet de fois. Et même si je fais attention en les essuyants, bah, ça va vite de les rayer. Et là, a priori, elles n'ont encore rien, sachant qu'elles ont déjà dû tomber peut-être une fois ou deux. Donc euh, franchement, non, j'en suis très content. Bon et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez qu'à à droite et à gauche. Si vous avez des questions, bah, ça se passe comme d'habitude dans les commentaires. Je vous invite bien sûr à liker et partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.